Programme, qui est une manifestation que j'ai eu le bonheur avec une équipe d'élèves de réaliser à 5 reprises entre 1989 et 1999. Et voilà que depuis 8 ans, cet événement n'a pas eu lieu. Vous en connaissez la raison. Un accident grave de santé en 2001 m'a privé du plaisir de renouveler cette expérience. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu cette année, le moment est revenu de la renouveler. Il y aura donc, Be'ezrat Hashem, un nouveau Yom HaTorah le dimanche 4 novembre 2007. Et il aura de nouvelles, on va dire, de nouveaux aspects que je vais très rapidement vous résumer. Mais au préalable, un premier rappel sur l'esprit de Yom HaTorah. Nous avons voulu appeler cette manifestation Yom HaTorah pour bien spécifier qu'il n'y a qu'une seule vedette, la Torah. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de grande personnalité, il y a simplement un peuple qui revient à sa source. Et cette démarche-là, on a voulu qu'elle soit simple, authentique, mais proche. En effet, nous visions et nous visons toujours 2 buts. Le premier, c'est de montrer à l'ensemble du peuple juif que son dénominateur commun, c'est bien la Torah, ainsi que ce fut le cas au pied du Sinaï, il y a maintenant 3313 ans, où là-bas il est dit, et le peuple juif campa au pied de la montagne, au singulier, comme un seul homme, disent nos maîtres, avec un seul cœur. Je demeure convaincu que malgré toutes les vicissitudes de l'histoire et les conceptions différentes, tous les juifs ne sont unis autour et par la Torah. Nous allons donc leur rappeler ce principe fondamental et nous allons le faire dans un certain nombre de modalités que je vais maintenant expliquer. De combien? De 24. Impeccable. On attaque maintenant le deuxième. Et quelles sont les motivations du Yom HaTorah? Je vais à présent très brièvement indiquer quelles seront les modalités et les originalités de cette édition 2007. Il aura lieu d'abord sur Yom HaTorah dans un nouveau site. Au lieu de nous retrouver dans le grand hall du Bourget, nous avons choisi le parc floral de Vincennes, qui du point de vue de la superficie, parce que nous avons loué tous les halls disponibles, reviendra presque au même, un peu plus petit mais à peine, mais deuxièmement et surtout, le parc floral est un endroit très agréable dans son environnement, floral comme l'indique son nom, et puis surtout il est très accessible en métro et en autobus. Voilà donc une possibilité pour tous les juifs, notamment de Paris, de s'y rendre sans difficulté. Mais les innovations seront très nombreuses à l'intérieur du Yom HaTorah. Ce sera donc une sorte de salon dans lequel tout visiteur qui ne connaît pas les données de la tradition, car c'est là le point essentiel que je voudrais bien redire, c'est que le but de Yom HaTorah n'est pas de s'adresser à des érudits pour leur faire des cours, ils ont ce qu'il faut ailleurs, nous voulons nous adresser à nos enfants, à nos frères, qui sont loin de la tradition, qui sont loin de la communauté, et leur dire « venez, vous êtes chez vous ». Mais au lieu de vous attendre à l'intérieur des synagogues, nous venons vous chercher, nous allons dans un site qui est neutre, dans lequel vous allez pouvoir, sous une sorte d'exposition, embrasser les principes fondamentaux de la Torah de façon vivante, ouverte, sympathique et moderne. Car c'est là le mot que je gardais pour la fin. La modernité, par rapport à ce qui a déjà été vu dans les Yamei Torah précédents, il n'y a rien à voir. Maintenant, pendant 8 ans, 10 ans, la technique a fait d'énormes progrès. Il y aura donc énormément de murs audiovisuels, de communication par Internet, en interface, et celui qui vient passer quelques heures avec nous dans cette journée, je suis persuadé, aura un échantillon qui lui donnera envie de connaître mieux, d'approfondir et d'actualiser son judaïsme. C'est mon vœu le plus cher, et nous essayons avec nos élèves, un groupe de bénévoles très dynamique, de faire le mieux, de notre mieux, pour que vous soyez heureux, pas seulement ce jour-là, mais toute votre vie.